Au Zimbabwe, la décision du gouvernement de suspendre 135 000 enseignants en grève a été annulée par la Haute Cour de justice. Selon la justice zimbabwéenne, la décision du ministère de l'enseignement primaire et secondaire est illégale et inconstitutionnelle et outrepasse son autorité. Selon le représentant des enseignants au tribunal, le Zimbabwe Human Rights NGO, une coalition de 21 organisations non gouvernementales de défense des droits humains, les grévistes ont le droit de ne pas être suspendu d'une manière qui viole les règlements de la fonction publique de la nation. Il faut encore du temps à la Zambie avant de s'engager dans l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Tels sont les propos du ministère zambien du commerce et de l'industrie s'exprimant lors d'une table ronde organisée par la Chambre de commerce américaine en Zambie. Le ministère estime qu'il est nécessaire de mieux engager le secteur privé dans ce cadre. Ainsi, le gouvernement zambien révèle que le pays n'est pas encore impliqué dans la valeur ajoutée et craint d'être soumis aux mêmes exigences que les autres pays déjà engagés dans la valeur ajoutée. L'Angola a exporté en volume de 394,22 millions de barils de pétrole en 2021, s'estimant à une valeur d'environ 27,87 milliards de dollars si l'on se réfère aux données du ministère des Ressources minérales, du pétrole et du gaz. Ses revenus ont augmenté de 51,4% par rapport à 2020. Pourtant, le volume des exportations s'est réduit de 11,69% en 2021. Néanmoins, les 446,3 millions de barils expédiés en 2020 n'avaient rapporté que 18,29 milliards de dollars de revenus bruts. Les données indiquent que le prix du baril angolais a atteint la moyenne annuelle de 70 708 dollars en 2021. En Afrique du Sud, la ville de Merefong, dans le West Rand du Gauteng, s'engage à rembourser à la compagnie sud-africaine de production et de distribution d'électricité Eskom 700 millions de rands de dette. La municipalité entend à cet effet élaborer un plan de gestion de son compte courant afin de se conformer à ses obligations. Au mois de janvier 2022, cette localité n'avait versé que 8 millions de rands de dette à Eskom pour un montant facturé de 28 millions. Lyon de Rennes. $98 millions namibiens, c'est le montant nécessaire pour la rénovation du stade de l'indépendance de Windhoek dans la capitale namibienne. Selon le ministère des Sports, de la Jeunesse et du Service National, qui en a fait l'annonce, cette infrastructure sportive n'est plus apte à abriter des matchs de football internationaux. À ce titre, d'importants travaux de rénovation doivent y être effectués afin de la mettre en conformité avec les normes établies par la FIFA, Fédération internationale de football association.